À table. Dans cette boîte de Quality Street, il y a des phrases. D'accord. Ok. Très bien. On va chacune en piocher une. Ok. Et en gros, l'idée, c'est que vous devez placer ces phrases pendant le dîner sans que personne ne s'en rende compte. Mais qui a écrit les phrases? Les phrases ont été écrites par la prod, je ne les ai pas lues. Si jamais l'une d'entre nous se fait griller par les autres avec sa phrase, elle aura un gage. Ok. Alors... Qu'est-ce que tu penses des vacances? Non mais... Alors je raconte? Ouais. Enfin, pas tout en détail, mais tu vois, en gros... Ça se résume en une phrase. Ah, super. J'ai passé mon permis. Ah, bravo. Je l'ai raté pour la cinquième fois. Ah. Next. Ok. Ça s'appelle des bonnes vacances de merde. En fait, t'as fait ça pendant les vacances, genre... Non, mais c'est ça qui te choque, en fait. Objectif permis. C'est ça qui te choque dans ce qu'elle vient de dire. C'est qu'elle soit partie dans une, mais qu'elle ait raté pour la cinquième fois. Ça m'étonne pas. Non, mais regarde, moi, j'ai raté quatre fois aussi. On s'en fout. Ok. Ouais. Ok. Non, mais moi, genre, c'est peut-être sa phrase, tu vois, genre, qui vole ma meuf, vole un meuf, un truc qu'on sait pas. Attention, parce qu'elle est fourbe. Ah ouais. Ta phrase. C'est vrai, non, c'est pas mal. Ça te va pas de dire on s'en fout. Donc, pour parler de sangria, juste parce que c'est important, non mais c'est vrai, moi l'alcool, je sais pas mon délire. Donc j'avoue que je suis pas très sangria, mais j'ai lu une phrase qui m'a fait gueulerie la dernière fois, justement à propos de phrase, c'est l'alcool ne résout rien, vas-y pète tout toi. L'alcool ne résout rien, ceci dit, l'eau et le lait non plus. C'est ta phrase. J'en suis sûre. Bâtarde. J'en suis sûre que c'est ça. Bâtarde. Je l'ai trop mal placé. T'as merdé, mais grave. Non, non, ça m'étonne de toi. Ah ouais. Je suis nulle. Ah ouais. Non, non, non. Et de la craie. La chef de Monsieur Suyant dans ton cul. Voilà, super. Et donc, je... Elle est phrase forte, ouais. Non, mais elle est forte. Non, je l'ai placée, ma phrase, depuis longtemps. Merde. C'est vrai, parce que c'est vrai que la chef de Monsieur Suyant dans ton cul, tout d'un coup, tu dis... Pardon, j'ai une petite phrase. Ça, c'est ta phrase, pardon. Non, non, ça, c'est personnel. Ça, c'est ma petite touche personnelle. C'est à moi. C'est pour vous. Comme dirait Booba, tout est écrit dans le ciel. Je peux finir mon histoire. Une détermination, enfin vraiment pour avoir ce régime-là, partir là-bas, faut vraiment être... Déjà, moi, je serais quand même curieuse de connaître la vie de Leslie, ouais. Qui est une professionnelle donc de... Parce que là, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Donc c'est vraiment... Phrase. Non. Phrase. Ah qu'est-ce que t'es mauvaise, non, c'est... Que ça peut inverser les effets de la plante. Mm-hmm. Et il y a aussi des gens qui disent que c'est parce que quand tu prends par exemple l'ayahuasca dans un centre, ça peut partir très vite en partout, quoi. C'est-à-dire, tu Doivent être bouillants comme des oufs, on peut faire chauffer des oeufs sur leur cul pendant 3 semaines et ensuite t'es là, genre. Non, parce qu'on sait de toute façon, entre toi et moi, c'est toujours la même histoire qui revient. Tu sais, c'est comme l'histoire du daltonien, tu sais. C'est quoi l'histoire du daltonien? Bah, c'est un daltonien qui a inventé, je suis sûr que le jambon blanc ou le cordon bleu, c'est un daltonien qui a inventé. Et tout, c'est la même histoire, c'est de se dire, okay. On est toujours, on est... Cordon bleu. On veut voir ce qu'on veut voir, ce qu'on partage, en fait, c'est ce qu'on raconte, et l'autre veut partager son souvenir à lui, même quand il t'écoute. Oui, mais la manière de raconter...